Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quintet Plus de ce vendredi 14 février 2020. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire qu'il n'y aura pas de pronostic écrit parce que mon PC a un virus, donc je suis obligé de le formater, je le réinitialise complet. Voilà, donc j'espère que je m'y suis pris à temps, qu'il ne va pas planter. Donc le temps de le faire, donc ça va me prendre la journée, enfin la journée, et de tout réinstaller, ça va me prendre la journée, enfin. Toute la journée en fait, ça va me prendre pour tout remettre en ordre. Donc désolé pour le pronostic écrit. Donc à voir si demain je pourrai le faire. Voilà. Donc ensuite, en description sous la vidéo, donc mon compte Utip, vous allez en description, vous cliquez sur le lien, vous tombez sur ma page Utip, vous cliquez sur regarder une pub, vous laissez défiler la pub et le tour est joué. Donc voilà. Et ensuite, vous avez mes deux chaînes YouTube secondaires. Voilà, donc n'hésitez pas à les visiter. Donc, on y va pour le pronostic Quintet Plus de ce vendredi 14 février 2020. Donc, ce sera la R1C1 à 13h50 à Cagnes-sur-Mer. Ce sera le prix Jean Boileau. Ce sera de l'attelée sur 2925 mètres et il y aura 16 partants. Mon niveau de confiance est de 3 sur 5 pour cette course-là. Mon favori sera le 7 Conchitana Jenny Lou, drivé par Derieux. Ma base sera le 11 Angle of Attack, drivé par Lockeneux. Mes outsiders seront le 6 Black d'Argent, drivé par Hench. Le 13 Christo, drivé par Briand. Et le 2 Coralsi, drivé par Seguin. Mon jeu simple sera donc le 7. Mon second favori le 11. Mon tocard le 6. Et mon regret le 1 Altea de Piencourt, drivé par Guelpa. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, mon 2 sur 4 sera le 7 et le 11. Mon 2 sur 4 combiné sera le 7, 11, 16. Mon couplet combiné sera le 7, le 11, le 16 et le 6. Pour ce qui est de mon multi en 7 en champ total, ce sera le 7, le 11, le 16, le 6, le 9 et le 13. Pour ce qui est de mon tic 3, ce sera le 7, le 11, le 16, le 6 et le 9. Pour ce qui est de mon quintet plus, champ réduit, que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, mais jouez-le modérément, il est assez élevé à mise, même en flexi, et très dur à faire entrer, donc allez-y modérément dessus. Ce sera le 7, le 11, le 16 dans ma base, et le 6, 9, 13, 4, 2 et 1, dans mon champ réduit. Pour ce qui est de mon jeu en 8 chevaux, pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8, que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 7, le 11, le 16, le 6, le 9, le 13, le 4 et le 2. Donc voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus de ce vendredi 14 février 2020. Donc sur ce, n'hésitez pas à aller voir mes liens en description sous la vidéo ainsi que mon compte Utip pour me soutenir d'une autre en plus de YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis mes deux chaînes YouTube secondaires. Puis moi je vous souhaite une bonne journée à tous. On croise les doigts pour les courses de cet après-midi. N'hésitez pas à vous abonner avec le petit logo qui est là, sans oublier la petite cloche pour recevoir mes notifications et vidéos. Et likez, partagez et abonnez-vous. Allez, ciao ciao, bonne journée à tous.